Et salut à toutes et à toutes les gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une vidéo très 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 spéciale. Pourquoi les amis? Parce que je mine de la cobblestone. Et bien oui, non, plus sincèrement les amis. Alors j'ai décidé de faire quelque chose que je faisais dans le temps avant. Et puis je me suis dit que ça pouvait être cool de le recommencer. Je vais aller où ce que j'étais. Alors j'ai vu cette place ici. Je la trouvais très belle. Je l'ai un peu aménagé, je dois l'avouer, j'ai utilisé ma seal touch pour miner tout ça. Bref, enfin bon, j'ai trouvé une petite place et qui m'intéressait pas mal. Fait que je me suis dit que... Ça m'en prend pas, c'est autant, attendez, un instant, comme ça. Ça m'en prend exactement 47. Comme ça. Fait qu'en gros, oh, au pire, j'en ai trop, c'est pas grave. Fait que oui, j'ai déjà fait de sur Horizon Craft, sur plusieurs serveurs ce que j'ai été. J'aimais bien construire des petites îles, des petites maisons, etc. Alors j'ai décidé de commencer avec une maison premièrement, et puis après ça on verra si ça le fait bien ou pas. Si ça le fait bien, on pourra peut-être faire un petit village ici, de toute façon il faudra voir avant qu'on se spie, etc. C'est juste pour m'amuser, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, ça me tente, fait que pourquoi pas. Fait que ici j'ai le screen où ce que ça me prend tous les items pour faire. En gros, je vais prendre, pas un tutoriel, mais je vais prendre un style de maison de Madness, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est un des meilleurs dans la construction médiévale, et puis ben je trouve que ça serait bien de l'utiliser quoi. Alors voilà, ça nous prend aussi de la laine, beaucoup de laine. Fait que c'est vraiment un épisode aujourd'hui, ce que je vais devoir farmer tout ça. À moins qu'en vente on se pende. Qui vend de la laine? Comme ça. Je pense pas qu'ils vendent de ça au spawn. Je suis pas cave. Là vous allez être témoin d'un esti de... blague de merde. Fait que je vais aller au home. Coffre. Il y a peut-être quelque chose là-bas. Je sais vraiment pas les amis. Fait que voilà, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée, non? Je sais pas, là, je savais pas trop ce que je voulais faire sur Iceward vu que ben y a plus personne qui joue, je suis un peu seul dans ma faction, vous voyez. Bull, etc. il joue pas, il y a peut-être Toofy Gaming qui va jouer un petit peu avec moi, mais à part ça, il y a vraiment personne d'autre qui joue. Comme vous pouvez voir, je suis tellement riche avec Arlox, on est riche comme pas possible. Oh mon dieu. On est tellement riche. Sub. Ça j'en aurais besoin. Ah ça, ça peut être pas pire, faire une cisaille. Le briquet, ça peut être drôle. On sait jamais. Quoi d'autre qu'on a besoin? On a besoin de plein d'affaires. Je vais juste checker tous les coffres les amis pour être sûr. Bon, s'il y a rien là, peut-être que là il y a quelque chose. Non, je pense que c'est juste là. Enfin bon, calise de tabarnak. Faudra que je trouve la laine. Après, quand j'aurai trouvé la laine, faudra trouver du clé. Sors là, les stuff. Moi, c'est pas du stuff que je veux, c'est là. Non, je vais juste me prendre un autre stack d'underpearl parce que vous allez voir que la bâtisse va être quand même assez haute. Puis on aura pas le choix de se téléporter en haut à chaque fois. Coffre perso Arlox. Oh. Ah, du fer, mon frère. Ça, ça peut être pas pire, la stone. Voilà, attendez, j'ai le plan ici de ce qui me prend. Ça me prendra du bois, bien entendu. Ça me prendra des avites. Ça me prend aussi de la clé pour faire de la brique. Ça va être un peu plus chaud à aller chercher. Ça me prend de la pierre taillée, des boutons, puis tout. Fait que, ouais, on va avoir besoin de tout ça. Besoin d'un stack de bois. Un under chest après pour décorer la maison, fait qu'on va quand même en amener un au cas pour le moment. La glowstone pour décorer, des torches pour éclairer, des panneaux, et puis ça. Allez, fait qu'on y retourne. Je crois que c'est pas ça, je crois que c'est slashback. Il faut que je fasse, j'ai pas cette de home encore, je crois. Fait que voilà, mes amis. Voilà. Fait que aussi, j'ai vu les amis dernièrement, est-ce que vous avez vu... PewDiePie a désactivé les commentaires sur sa chaîne YouTube. Genre, ça a fait une grosse nouvelle, une grosse affaire. PewDiePie a désactivé ses putains de shit sur sa vidéo. Et puis, ben ouais, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous pensez qu'il a fait une bonne chose? Est-ce que vous pensez que, ben, c'est un peu penser qu'à sa gueule, etc. J'aimerais que vous me donnez votre ressenti là-dessus. Je vais vous lire un peu, vite fait, l'article que j'ai lu, moi, vite fait. Je vais vous lire en gros que ce qu'il dit. En gros, c'est que je vais voir les commentaires. Je trouve majoritairement du spam, des gens qui font de leur pub, des gens qui provoquent les autres et des gens qui répondent à ces trois types de messages. Pour moi, tous ces trucs sont sans intérêt. Cela ne m'intéresse pas. Je ne veux pas les voir. Je n'en ai tout simplement rien à faire. Je veux voir ce que les autres bros avaient à dire. Dans le fond, bros, c'est genre ses frères, dans le fond.
ou ce qui se passe dans vos vies, mais je ne le vois pas car c'est caché par toutes ces autres choses. Cela fait très longtemps que ça me dérange et j'ai essayé de trouver une solution au problème. Bon, attendez, je vais juste traduire cette boucle-là. En gros, ouais. Je ne dirais pas que nous perdons quelque chose, je dirais que nous faisons un pas dans la bonne direction. Cela fait très longtemps que le truc sont vraiment merdiques, en gros. En gros, c'est ça. Bullshit. En gros, bullshit, ça veut dire que c'est merdique. Fait que voilà, ma traduction était peut-être pas parfaite, les amis, mais ça ressemble à ça. Et puis voilà. Fait que moi, je voulais savoir ce que vous en pensez. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait aussi, autant dans les Américains, etc., autant. Les Allemands et tout, ils l'ont fait parce que j'écoute des vidéos en Germany, des vidéos allemandes. Et puis, les amis, je me demandais ce que vous en pensiez. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez que cette pensée casse sa gueule? Bon, les raisons de ceux-ci, c'est qu'il y a du spam, etc. Mais bon, tu sais, c'est pas vraiment, là. Peut-être autre chose. Peut-être fait menacer de se faire couper le pénis s'il continuait, je sais pas. Je vais juste faire les bâtonnets. Faire des escaliers. On a besoin de combien de trucs comme ça? Je crois exactement 8, je suis pas sûr. Attendez, je vais vous le dire. J'ai mon screen just ici. 1, 2, 3, 9. On a besoin de 9, fait qu'il nous en manquait qu'une. Est-ce que c'est pas chanceux? Fait qu'on va faire ça de même. Ça vient en paquet de 2, fait qu'on a 10, est-ce que ça, on a 10, ça. Après ça nous prenait des boutons. Combien de boutons ça nous prenait en bois? Ça nous prend 19 boutons de bois. Je vais juste fermer le launcher d'ascension, voilà. Ça nous prenait 15 boutons comme ça, environ. 15 boutons comme ça, voilà. Ça nous prenait 15 boutons de bois. Non, ça nous prenait 2 boutons de bois, je pense. Attendez, je vais juste regarder. Ouais, 2 boutons de bois. Fait que 2 boutons de bois. Nickel, awesome. Ensuite, ça nous prenait de la vitre, de la pierre. Ouais, des escaliers en pierre, non, comme ça. En gros, on va faire ça comme ça. On va faire slash craft. On va crafter tout ça, les amis. Tac, 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 tac. Fait que voilà, je vais faire quelques épisodes comme ça avec du build. Fait qu'on a nos 16 escaliers. Ça nous en prenait gang 3, mais j'en ai fait 16 comme un cave. Mais bon, ça, c'est un détail. Ensuite, des dalles. Et puis des escaliers. Ça nous prend 61 escaliers. Fait que c'est là que ça va nous prendre pas mal de bois. Fait que, ouais, voilà. 61 escaliers. Ça devrait nous en faire 40 comme ça. Puis si on en remet 40 comme c'est 50, ça devrait nous en faire 60. Hop là, Eiffel. Voilà, 64 à peu près. On va toujours en garder plus parce qu'on sait jamais, il peut toujours avoir des petits détails mal faits, etc. Ensuite, ça nous prenait aussi 48 dalles. Sur ça, c'est quand même assez easy à faire. Ça nous donne 6 dalles par shit. Fait que comme ça, on devrait en avoir assez. Et voilà. 48 dalles. C'est sûr que ça va en prendre un petit peu plus, mais bon. Pour le moment, on va faire ça. Ensuite, ça nous prenait quoi d'autre? Ben, de la vitre. La vitre que je l'ai pris là, je vais faire des fours. Attendez un instant. Tac, 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 tac. Juste prendre ça. Tac, 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 tac. Voilà, slash craft. Ah oui, il y en a juste 6. Ah, ils sont là. Slash craft. Tac. Et puis, que voilà. Ensuite, ça va nous prendre de la laine, comme j'ai dit. 4 trucs comme ça. C'est moi voir vite fait ce que c'est. Ça me prend des trucs comme ça. De toute façon, la cobblestone, j'en ai besoin de 42. J'en ai un petit peu plus. Fait que c'est correct pour le moment. Fait que ça me prenait ça, des poteaux comme ça m'en prenait 3. Là, j'en ai 6. On va mettre ça là. Des dalles. Ça me prenait 3 dalles comme ceci. J'en ai 6, parfait. Ça me prenait ensuite, comme je vous l'ai dit, ben les boutons, on a ça, on a ça. Le 170 de blocs, on en a. Ça nous prend juste la laine, ça nous prend des planches. Les planches, on peut les mettre là. Voilà, les planches, on les a. On a tout ce qu'il nous faut pour le moment, les amis. Quel droit que l'eau qui nous manque? Vraiment, les vitres, la laine et la clé. Fait que je vais partir à la recherche du clé. J'espère que vous allez venir avec moi. On y va, on n'a pas trop le choix. De toute façon, vous êtes avec moi, je suis avec moi. Voilà. Dans les petits lacs comme ça, parfois, il y en a. Fait qu'on check. Ça, c'est de la pierre, fuck. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai jamais cherché vraiment du clé. Je me souviens sur Minecraft Xbox, si on cherchait tous du fucking clé, parce que c'était tellement rare. Mais ici, je sais pas si je vais en trouver aussi facilement que je le crois. Oh, il y a des moutons, il y a des moutons, il y a des moutons.
Chouk. Chouk. Voilà. Donc on va continuer notre recherche, l'exploration. Feed. What the fuck, feed, voilà. De toute façon, j'avais mon macro, je suis bien attardé mental parfois. Là, qu'est-ce qu'il y a? What? Une montagne de gravier. Ok, tranquille. Whoop-a-lay. Et puis, whoop-a-lay. Il me semblait ça que je cherchais un océan. Ah, dis-moi pas que c'est pas un océan. Ah oui, c'est bon, c'est un gros lac. On a peut-être des chances de l'empoigner là-dedans. Fait qu'il est par là. Ah, il y en a là. Il y en avait là dans le fond. Puis ça, c'en est aussi. Parce que là, qu'on en a trouvé. Assez rapidement. Assez rapidement même. Mais si vous avez vu ma voix avec Crack Voice. Désolé pour ça. Pas... Désolé, mes amis. Ça m'arrive moi aussi d'être malade. J'ai jamais été vraiment malade depuis que je fais des vidéos. Vraiment, un coup de fois. Je suis presque jamais malade. J'ai jamais été. Aucune vidéo que j'ai fait que j'étais enrhumé ou quoi que ce soit. J'ai juste eu ben, un petit rhume une fois, mais bon. J'avais déjà toutes sorties mes vidéos. Et là, j'en commence un vilain. Fait que. J'espère que vous me pardonnerez pour les petits bruits de voix. Fait que voilà. Les amis, j'aimerais ça que vous me donnez des conseils pour améliorer le contenu de ma chaîne. Exemple, vous voulez voir quoi sur la chaîne? Dites-le moi. Parce que là, je fais pas mal juste du PvP faction. Je voulais savoir si vous, ça vous dérangeait, exemple, que je fasse des maps aventures, des trucs du genre. Ça serait vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qui vous plairait moins. J'avais commencé Icons Adventure, mais je l'ai supprimé de ma chaîne parce que ça me plaisait pas qu'il me plaisait pas. Je dois l'avouer que j'aimais ça tourner, etc. J'avais une dizaine d'épisodes de tournée. Mais ben, j'ai vu que vous aimiez pas ça. Il y avait pas autant de pouces bleus, puis il y avait pas autant de vues, etc. Puis ben, je me suis dit que ça vous plaisait peut-être pas, fait que j'ai préféré l'enlever. Et puis ben voilà, voilà. Là. Elle là. Est-ce que vous connaissez cette chanson-là, les amis? Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça d'un coup, là, mais bon. Ah oh, oui, c'est l'autre fois, j'étais chez le dentiste, ok? Je vais vous raconter ma vie, là, mais bon. J'étais chez le dentiste, ok? Puis là, ma maman était assise dans la chaise du dentiste et moi, j'attendais dans la salle d'attente comme un bon grand garçon, vu que je suis quand même un enfant assez gentil. Et puis, il s'est mis à jouer cette chanson à la radio. Et là, je me suis mis à danser, à chanter. Et dans la salle d'attente, mais j'avais pas vu qu'il y avait une fille qui me regardait à l'extérieur du magasin, ben, genre la boutique, si on peut appeler ça ainsi, par la vitre. Alors j'ai eu l'air d'un beau gros cave, et puis ben la fille elle a se moqué de moi avec ses copines, fait que là voilà, il fallait que je vous le raconte parce que je me suis senti humilié. Je vais aller par là, les amis. Hop-pé-lou. Comme ça. Oh, j'ai spawné un bon place, il y a des moutons. Tchac. Non! Non! Fils de pute! Non! Putain de sa mère, c'était Diablo X9! Putain de sa mère! Mes moutons! Oh shit, c'est pas ça que je voulais. Putain de fils d'enculé, putain. Je crois que j'étais passé par là, ouais. La cheville. Charge des moutons, les amis, si vous avez pas compris. Respawnez les moutons. Je vous aimais, moi. Revenez, mes amis. Oh, y a des vaches et des moutons, nickel. C'est des choses que les gens n'ont pas l'habitude de faire dans des vidéos PvP faction, les amis, mais bon, moi je le fais parce que je suis pas comme les autres, j'aime pas ça proposer la même chose que les autres. Fait que... Je vais prendre le brun caca parce qu'on peut toujours en faire de la blanche, c'est pas ça le problème. Est-ce que je tue les vaches pour qu'il y ait d'autres mobs qui puissent spawner? Je pense que c'est ça que je vais faire. En tuant les vaches, je vais avoir d'autres mobs qui vont spawner, j'ai l'impression. Fait que voilà. Je vais me promener encore pour trouver des moutons. Ah, regarde, tu vois, lui, il a déjà repopé. Ça nous en prend beaucoup de la laine, ça. J'ai quand même pas trop le choix. Je vais m'en aller un peu puis revenir voir. S'ils vont avoir repoussé. Ah, regardez, il y en a d'autres qui spawnent là. Ils sont pas mignons. Oh shit, il m'en donne normal, lui. Slash feed. Voilà. Par là, c'est quoi qu'il y a?
What? Y'en a là? Ah ouais, y a du clé là. Attendez, on va juste prendre la clé. Juste prendre la clé vite fait. Comme ça. J'en ai vraiment assez. Même, je pense que j'en ai trop, mais bon. Pas grave. Oh, le fuck. Un nouveau style de maison que je veux faire, les amis. C'est un style que j'ai jamais vraiment fait. C'est nouveau depuis environ, bon, je dirais peut-être un mois ou deux, là. Ouais, ça fait pas très longtemps que les gens l'utilisent. J'ai même pas vu aucun serveur l'utiliser dans leur spawn ou quoi que ce soit. So, ouais, on va essayer de le faire. C'est sûr que c'est un peu chaud à faire en survie. On doit se la mettre, là, entre vous et moi. C'est assez chaud, mais on va réussir. Fait que voilà, les amis. Je pense que je vais mettre fin à cet épisode. Un épisode vraiment blabla avec un peu de récolte parce que vraiment c'est ce qu'il fallait faire aujourd'hui, c'est de la récolte. Je pense qu'on aura quand même réussi à récolter quand même pas mal de choses. Dans le prochain épisode, on va commencer par faire cuire la clé, on va commencer aussi à construire. Il y aura peut-être Blackbird qui va venir nous donner ses coups de main de builder, je sais pas. On verra bien tout ça plus tard. Pour ma part, les amis, je dois y aller. Fait que je vais vous retourner ça une autre fois. Fait que voilà, mes copains et mes copines. Je vous aime tous du plus profond de mon cœur. C'était Icon, le Pikachu de ton internet, mon jeune Padawan. Et allez, bisous. Oh, avant de... Oh, que j'oublie. Si t'as envie de laisser un pouce bleu, ça va faire toujours plaisir, les amis. Et puis, j'apprécierais beaucoup qu'on atteigne les 100 pouces bleus. Voilà. Peace et gamers, c'était Icon, le Pikachu de l'internet.